qui arrivent pas. Ça n'a aucun avenir, ce que t'écris. C'est nul. Donne-moi ça, un mot, une faute. C'est fou quand même. C'est un livre que t'écris, c'est pas des sous-titres de BFM. Elle n'a aucun talent. Bonjour, enchantée, je suis coach de vie. J'ai décidé de prendre un coach pour apprendre à faire des économies d'énergie. Lumière ! Bah quoi ? Faut bien l'entraîner au cas où Poutine y coupe cet hiver. Hein ? Regardez-la, elle est déjà économe, hein, de toute façon. On voit bien qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages, hein ? Enfin, pour se chauffer cet hiver, tout serait plus simple s'il restait encore de la chaleur humaine. De la chaleur humaine... T'inquiète pas, va, de la chaleur humaine, tu vas en trouver dans les commentaires de cette vidéo. Eh oui, Rachida Tati, c'est vrai qu'elle a pris un peu de poids. C'est fini l'abondance. Dis donc, t'as bien fait de faire des réserves, hein. Regardez-moi ça. Elle ressemble à mon frigo. Il y a le bac du bas, le bac du haut. Il y a même le congélo derrière. Et en plus, vous avez de la chance, vous êtes bronzée. Ah ça, je suis comme une forêt en France, j'ai cramé pendant l'été. Ah oui, mais moi, j'ai pas les moyens de partir. Hein. Ah bon? Ah bah non, bah les vacances, ça coûte la peau du cul. Ah bah vu la surface, ça doit faire une sacrée somme. Hein. Je la coach aussi pour son alimentation. Mmh. Oh, c'est vachement bon. C'est quoi? C'est du lapin? Non, c'est du voisin. C'est Gérard. Arrête, arrête. Écoute, on est bientôt 8 milliards. Plus besoin de détruire les fonds marins pour pêcher d'humains. Plus besoin de raser des forêts pour en cultiver. Et puis fini l'élevage intensif. Hein, y a qu'à taper dans les stocks. Alors, on les remercie qui? En plus, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Eh, franchement, est-ce que c'est pas meilleur avec un peu de sauce? Mmh. Mmh. Allez, ok. Allez, on y va là, on y va, on y va. Allez, plus vite! J'entraîne à ramper. Que généralement, dans les supermarchés, ce qui coûte le moins cher, c'est toujours au rayon du bas. Qu'est-ce que tu stabilotes, là? Ben, je révise. Qu'est-ce que c'est que ça? Prof pour les nuls! T'es prof, toi! Oui, j'ai un bac plus 4. Enfin, un bac plus 4 fois de formation, quoi. Ben, c'est pas un peu juste, ça? Ben, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de base, hein. Je sais même pas ce que c'est qu'une base. Donc, mais... c'est. Regarde, elle répète tout ce qu'elle entend non, à c'est la radio. C'est... Ben même en géographie par exemple. Comment veux-tu que les gamins ils s'y repèrent? La moutarde de Dijon, elle est faite au Canada. Et par exemple, une crevette entre la mer du Nord, où elle est pêchée, et le supermarché français, eh ben il y a 6000 km. Alors que la France, elle en fait à peine 1000 alors. Lumière! Ah, putain de table basse! Bon, de toute façon, bientôt, les enfants n'auront plus à répondre à la question que tous les adultes leur posent. Comment s'est passée ta rentrée? Non. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ma petite fille. Oui, mamie? Les lingots sont cachés dans le... Lumière! En ce moment, on est entre deux mondes. Hein. L'ancien qui se fissure de partout et qui demande qu'à s'effondrer, mais que certains maintiennent parce qu'il y a encore du pognon à se faire. Et le nouveau, bah, qui met trop de temps à venir. Et le système, c'est comme un fut. Quand il y a une tâche qui part pas, faut jeter le pantalon. Dans votre image, j'ai du mal à savoir si on est la tâche ou le pantalon. Mais est-ce que t'as une tête de pantalon? Oh, ça va, on peut plus coucher tranquillement avec un singe sans déclencher une épidémie mondiale. Pardon. Oh, on parlait des vacances. Ah oui, parce que moi, cet été, je suis allée faire du rafting. Ah ouais? Ouais, sur une rivière asséchée. Bah du coup, ça m'a fait un lifting au cul gratuit. Bah c'est bien, parce que moi, en Thaïlande, je me suis mise au pussy ping-pong. Qui aurait cru que j'aurais autant de puissance? Là-bas, maintenant, on m'appelle le flashball. Ça te manque pas? Non. Sinon, c'est l'infirmière. Mais bon, ils préfèrent être en manque d'effectifs plutôt que de réintégrer des pompiers ou des infirmières non vaccinées. Bah, du coup, maintenant, je suis chirurgien sur Doctolib. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Ah, j'ai une opération du cœur dans 10 minutes. Oh. Eh ben, bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Charlatan. Nous vivons dans un monde qui a assez de ressources pour nous tous sans avoir à détruire la Terre. Certes, on ne redeviendra peut-être pas des chasseurs-cueilleurs, mais si tout était réparti équitablement, nous pourrions vivre tous librement et manger à notre faim dans un monde où chacun ferait ce qu'il aime. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où c'est possible. Possible ? Utopiste.